Bonjour les enfants, nous allons travailler sur l'addition de dizaines. Si je vous demande de calculer 30 plus 20, vous avez plusieurs possibilités. Essayons de représenter cette addition de différentes manières. Commençons par représenter 30 sous la forme de 3 dizaines. Vous savez que dans une barre de 10 cubes, j'ai une dizaine. Ici, j'ai donc 10 cubes, 10, 20, 30. 3 dizaines font bien 30. Je vais ajouter 20. 10, 20. Combien ai-je maintenant de dizaines? 1, 2, 3. 4, 5. 3 dizaines plus 2 dizaines nous donnent 5 dizaines. Or, 5 dizaines, je peux l'écrire 50. 5 à la place des dizaines, 0 à la place des unités. Utilisons maintenant une abaque. Vous vous souvenez, nous avons normalement des petits anneaux en quantité représentant le nombre d'unités ici, de dizaines ici, et de centaines ici. Alors, mettons donc 30 sur cet abaque. 10, 20, 30. En mettant 3 dizaines. Nous allons rajouter 20, c'est-à-dire 2 dizaines supplémentaires. 10, 20. Nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5 anneaux sur les dizaines. 5 dizaines représentent 50. Voyons une dernière manière, un peu plus théorique, de représenter 30 plus 20. Je regarde mon addition et je fais bien attention à différencier les dizaines en rouge de chaque nombre et les unités de chaque nombre en bleu. Ajoutons les unités. Il y a 0 unité dans 30, 0 unité dans 20. Je vais les reporter ici à la place des unités. 0 plus 0, 0 unités. Ajoutons maintenant les dizaines. 3 dizaines plus 2 dizaines, cela va nous donner 5 dizaines. Nous retrouvons bien le nombre de 50. Nous avons donc ici 3 différentes manières de se représenter ce calcul. À vous de jouer! Sur votre cahier du jour, vous allez écrire, après la date, le mot « calcul », sauter une ligne et écrire les différents calculs que je propose ici. À vous de trouver les résultats en utilisant les différentes techniques que nous venons de découvrir. N'hésitez pas à faire des dessins si cela peut vous être utile. Vous pouvez photographier votre cahier et me l'envoyer. Je vous renverrai bien sûr la correction. Bon courage à tous et bon travail. À bientôt !